Re-YouTube. C'est pas là que je viens d'aller. Ah si, je suis complètement teubé. Sur la droite. C'est quoi la dernière zone que tu as fait? C'est... C'est après tout ce qu'il y a le dépôt... Après le dépotoir. C'est... Une zone de merde où il y a plein de poisons. J'ai buté la charogne. En fait, là, j'ai les quatre grandes âmes. Sire, j'ai fait les soi-disant les quatre premiers chemins du début. Le ravin noir, ouais. Bref, j'ai les quatre grandes âmes. Et là, je sais pas. J'ai pas envie de retourner par là. Écoute, ouais, je veux bien savoir où aller. Alors, peut-être pas exactement, mais une petite indication. T'as cette épée qui cache la moitié de l'écran, tu sais. Tu peux me dire le feu le plus proche, effectivement, ça peut être pas mal. Ruine de l'embranchement. C'est-à-dire le feu où je suis actuellement, quoi. Non? Je crois que c'est ça. C'est vrai, il y a ces saloperies qui nous... Mais il n'y a plus tous les fantômes, là? Un mur. Très bien. Ah non! Il est où? Putain, on le voit presque pas! C'est horrible! Ah, nique ta mère! Voilà. Salut Duffman! A bientôt, merci à toi! Vieil anneau solaire. Ça, c'est un gentil. Ça a l'air d'être la mort. On va pas prendre de risque. Hein. Y a plein de gens qui meurent, mais tu ne les vois pas. Tiens. Je ne sortirai pas indemne cette bataille avec toi. Il y a trop de gens qui meurent. L'instant Hélène Ségara, les amis. Alors, gentil ou méchant, lui? Méchant. Gentil. Ah! Ok, j'ai juste rebroussé chemin, c'est magnifique. Du coup, j'ai longé la droite. Allongé la gauche. J'ai déjà longé la gauche, je suis déjà allé par là-bas. Putain de merde. Putain de merde. Oh, ça dans ta gueule. Leave me
business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I've grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Qu'est-ce qu'il nous vend, lui? Ah bah voilà, l'espadon. Mais là, c'est l'ultra espadon, pardon. Mais il tape pareil au départ, ouais, 200. Des flèches, une foudre dans ces flèches, résine de pain doré, et des sorts. C'est bien. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war. And I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here. Take these. I have no use for them. Casque de Vengar, là. Go along. Resume your journey. I cannot lie. Sometimes I wonder what I was a hired hand and for his but farewell. I will retire to my silence. Ils étaient stylés ces dialogues, je trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que ce casque? Où est-ce qu'il est? Ce bonnet, quoi. Ah, c'est celui-là. D'accord. Du coup, je suis trop lourd. Dommage. Bon. C'est toujours pas où faut aller. Essayer droite.
Ah oui. Merci mec. Effectivement, je ne sais toujours pas où faut aller. Continue. Thème. Dans quelqu'un. Il est où? Bon, je viens de là, hein. Oui. Là, je pense que c'est là où je suis déjà allé. Ah, ça me parle, ça. Exactement. Ouais! Bon, mais du coup... Tête droit devant, merci les gars. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est, mais je l'ai eu quand même. Je t'entends. C'est lequel? Ah, c'est celui-là. Ah oui, c'est trop bien ça. Je peux remplacer quoi? On va le remplacer avec celui-là. Voilà. Et là, c'est le vide. Bon. On va y arriver. Hein. Donc les ruines... Merde. Les ruines de l'embranchement, c'est bien ce feu-là. Bon, je vais essayer à gauche. Sinon, je vais peut-être devoir rebrousser chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais dodo? Thank you.
Yes. Pardonnez-moi. Hop. Hop. Bon, on va y aller moins vite cette fois. Certes, il y a lui, mais il y a lui d'abord. J'arrive pas à les anticiper, c'est con. Allez, dans ta gueule. Je me ferai pas avoir deux fois, je sais que lui c'est un méchant. Non mais... Mais t'es pas mort toi ? Voilà. Ah ! Ah ! Très bien. Du coup, ça va me téléporter à l'endroit que j'ai vu tout à l'heure, mais je suis encore bloqué par une... par une porte. Ok. Ok. Merci, accélère, pour le tips. Ou du coup, sans trop le savoir, j'allais dans le bon endroit. Tout va bien. Oui, là j'avais vu un truc. Fais moins les malins maintenant. Attention, menteur. Ténèbres droit devant. Échelle droit devant. Donc il y a une échelle dans les ténèbres réellement. Et il pleut. Jamais vu la pluie dans un Dark Souls, c'est cool. Ah bon. Messieurs, excusez-moi, ça va pas être possible ça.
Ah! C'est inattendu. Et le château de Drang Lake. Eh ben, c'est stylé. Stylé vu comme ça. Éclat de titanite. Il m'en manquait un tout à l'heure, je crois. This castle is isolated. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey and mine. C'est quand même pas la fin du jeu après ça. Sans compter les DLC, hein. Ça me semblerait bizarre sinon. J'ai même pas envie de me presser. J'ai envie de marcher tranquillement. Et là, les statues... Voilà. Putain, j'en étais sûr! Ouf. Ok, ça tape fort. Ça tape très fort. Attention, madame. Ok. Bon alors avant. Bonjour. Il m'en faut encore un. Il manque encore un éclat. Au moins cela, maintenant je les one shot. Ce qui est très agréable, on va pas se le cacher. Et viens. Viens, on est bien. Hmm.
Bah merde! Toutes mes âmes! Oh non! Damn! J'ai voulu aller trop vite. J'ai pris la confiance. Oh putain, j'en ai 22! Elle est méthodique. On va essayer d'aggro le petit con qui est là d'abord. Voilà. Voilà. Bien. Quand même bien efficace, hein. Barrez-vous, barrez-vous! Faisais un test. T'as le petit lens flare là. Il m'a eu quand même. Deuxième fois. Je
Ah mais t'avais pas capté que j'avais déjà les 4 Great Souls? Bah ouais, ça y est. Bah on avance hein. Mais du coup Oula le bouclier. Du coup ça veut dire qu'on avance vers la fin du jeu ou what the fuck? Parce que ça me semblait bizarre d'approcher de la fin du jeu comme ça. Oula. T'as la hitbox des fois quand même. Sur ces gros... tes gros bazars. Non, t'es encore en la fin. Très bien. Oh, parce que moi je vois un gros château, tu vois. Ouf. Là pour le coup, normalement, j'aurais dû me faire toucher. Mais c'était pas simple ces deux-là. Hein. C'est censé donner l'impression que c'est bientôt la fin. Bah ouais, tu vois, tu te dis, ouais, je vais aller au sommet, je vais niquer un boss, et voilà. Loin de la fin tant que ça, je dois être à la moitié du jeu, peut-être. Moi, j'avais l'impression... j'étais plutôt à la moitié. Ouais, il y a du monde, là. Ouais, c'est stylé. Hein. J'ai peur que les statues se mettent à vivre, là. Je dirais que j'ai fait 60% du jeu. En comptant les DLC. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Sans DLC. Bien. Bon, et Josune, t'as vu que j'ai chopé ton arme préférée? Eh ben écoute, non, la forteresse de fer, ça s'est plutôt très bien passé. Putain, mais vas-y, mais quel bâtard! Je suis level combien? 120. On tape fort hein, quand même. Oh, il est pas mort. Vas-y, bâtard. Un feu pour le sanctuaire du l'hiver quelque part là? Y'a vraiment rien de plus proche? Compris que les fontaines avec des serpents c'était les entrées des DLC? Pas du tout.
Quand je suis allé à un endroit où il y a un serpent, ça m'a demandé une clé après pour une porte. Mais du coup, j'en savais pas plus. Mais non, du coup, je savais pas que c'était pour les DLC. Faut des clés pour entrer dans les DLC dans ce scolar. Oh, c'est vraiment n'importe quoi, hein. On rentre de l'autre côté, il fait beau, là il pleut, hein. Il fait nuit, là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Du coup, on peut pas aggro le troisième qui est planqué je sais pas où, là. C'est pas grave, venez. Ah, il est là. Faut pas chercher de logique dans ce sens. Non, non, mais je caricature. Ah, ils sont chiants ces deux-là. Hein. Sérieux. Oh, pire, pire. De la merde. Ah oui. Alors, le boss optionnel de la tour des flammes de Heide, c'est fait. Le boss caché de la forteresse oubliée, non. Par contre, je me suis posé une question. Comment ça se fait qu'on n'a pas revu le poursuivant? Moi, je me suis dit que ça allait être un boss qui allait nous poursuivre genre tout le jeu, tu vois. Mais en fait, à part la forteresse oubliée, ben on l'a pas revue. À chaque fois, lui, j'arrive pas à l'avoir avec cette attaque. Trop chiant. Il est 4 ou 5 fois dans la forteresse oubliée, une fois dans la forteresse de fer, une fois dans la zone du tuto, et un autre spot, mais que en NG+. Ok. Je pensais qu'il allait nous suivre plus que ça, tu vois. Mais d'accord. Vas-y. Tu m'as saoulé, toi. C'est déjà pas mal. Ouais, mais je... Tu vois, j'avais l'impression que c'était un truc filler, tu vois, et finalement, pas tant que ça. Je m'attendais à le rencontrer au moins une fois par zone, tu vois. Enfin, une fois par grande zone. Et finalement, la seule fois où je l'ai rencontré une deuxième fois, bah ouais, c'était à la forteresse oubliée et pas autre part. Ça finit par apparaître redondant. Ouais, c'est pas faux. Mais pourquoi ça te stun pas là ?
Bordel là, hein. Voilà. Oui, j'ai toujours pas compris le lore hein, pour le moment. À part qu'on est toujours mort-vivant, enfin un undead, on sait. Ils ont de l'hyper-armor si je les attaque pendant qu'ils sont en train de taper. Salaud! Le lore, ça va se déclencher dans cette zone pour de vrai. Très bien. Oh mais allez, venez avec vos épées là, faites pas les pleutres! Allez, les éléphants. La marche des éléphants. Para, para, la, papa. Très mauvaise idée ça, hein. Vraiment. Vas-y. Le bouclier, très bien. Niveau fashion, on a connu mieux par contre, mais je suppose que t'as pas beaucoup d'options vu que l'épée est lourde. Exactement, t'as tout compris. Mais il m'a eu quand même. Et puis tu as le dessus. D'y aller doucement. Albatar, albatar, albatar. Oui, non. Ah!
Waouh. Donc ça... j'en étais sûr. Allez là! Rien à foutre de ton bouclier, moi. Du coup, j'aimerais bien explorer là-bas, si ça se trouve, il y a des trucs cool. Ah oui, c'est vrai. Fun fact à propos des colosses, on peut les parer, et si ça réussit, ils n'arrivent pas à se relever. C'est méga dur à timer, par contre. Voilà, déjà que j'ai réussi à timer aucune parade dans Dark Souls 2. Bah, je vais pas m'y tenter. J'arrive pas à voir s'il y a quelque chose. Ah, ils sont pas tous vivants, d'accord. Porte là. Putain, y a rien. Mais est-ce que de l'autre côté il y aurait la même porte avec un feu? J'ai peur de casser mon espadon là. Peur. Faut jamais se balader sans poudre de réparation dans le 2. J'en ai encore de la poudre de réparation, je crois. Elle est où? J'en ai jamais utilisé d'ailleurs. Il m'en reste forcément. Là. J'en ai encore 3. Bon allez. On va rentrer. En fait, ils m'ont fait peur, ces cons là. Je pensais qu'ils allaient venir me taper. C'est classe, c'est classe, c'est classe. Je sais pas par où commencer par contre. Déjà il y a un bonhomme là. Long ago. King Vendrick. We must fight back. Or the
giants will take Dranlake. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean, and defeated the giants, with the queen at his side. The king commandeered their power, and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory, and to show his love and his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome, visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Tell me if you should require anything. Bien. Ouh. Ralentit l'usure de l'équipement. Intéressant ça aussi. Mais on s'en fout. Il nous dit quelque chose de plus? Non. Ça reste, comme d'habitude, cryptique. Je vais aller visiter autre part avant, je le sens pas bien. Il y a déjà un long dialogue pour un PNJ From Software, certes. Et surtout, qu'est-ce qu'on vient foutre là-dedans, quoi. Ah. Bonjour, monsieur. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses à faire. Ah. T'as cru m'avoir ? Ça pue bien du derche ici quand même, hein. La messagerie à Emerald te dit Seek the King chaque fois que tu lui parles, certes. Oui, il y a un roi. Faut le trouver, mais pourquoi?
Zut. À la fois. Il me touche jamais. Pourquoi ? Hitbox dépasse pas de son épée, qu'elle passe juste à côté. Damn dead. Next. Bon. Y a pas de feu dans ce bordel ? YouTube. Faudra attendre la prochaine VOD pour savoir s'il se passe quelque chose.